Et on va certainement vite fait se balader dans le quartier après pour... Oh, je suis choquée. Putain, il y a eu un accident. Bonjour tout le monde, c'est parti pour le jour 3. On est le lundi 15 août et aujourd'hui c'est le jour national de la libération de la Corée. Donc c'est un jour férié ici. Aujourd'hui on a prévu d'aller voir des moutons, donc ça se trouve ça sera fermé. On est toujours en direct de notre... chambre de luxe qui n'est pas de luxe. Mais la vue est sympa parce qu'il y a la mer, je vais vous montrer. Oh, les vitres sont sales, hein, bon. Mais au bout là-bas c'est la... Ah mais c'est la moustiquaire, je suis bête. Là-bas en fait c'est la mer. Et là on va partir direction Inès. Le temple. On espère que c'est le bon point qu'il nous faut. Ouais parce qu'en fait on est obligé de contourner la montagne. C'est parti. Ah regardez les petits shops. Ah oui, tu peux acheter toute ta petite nourriture. T'as réussi à filmer cette fois-ci? Ouais, c'est bon. Hier, j'avais pas réussi, c'était archi moche. Vous avez été nombreux à nous dire, et vous avez raison, on lit tous vos commentaires. Pourquoi vous avez pas réservé le matin le motel? En fait, le problème, c'est que pour réserver les motels ici, il faut les faire en ligne. Ou au téléphone. Au téléphone, clairement, on n'a pas le niveau pour le faire. Du coup, il faut passer par un site internet. Et le site internet, il demande une carte coréenne qu'on a, un numéro coréen qu'on a. Sauf que on sait pas pourquoi ça marche pas. On n'y arrive pas. Et donc, on est obligé d'attendre le jour même. Sauf que comme on se trimballe dans toute l'île, on est parfois à 2 voire 3 heures de chaque point où on va dormir. Donc on ne peut pas y aller à l'avance pour aller prendre notre chambre. Quoi. Pour ce soir, on a quand même réservé un Airbnb voilà, en avance. Donc vous inquiétez pas, c'est beau. Ce soir, on va dormir quelque part. Il n'y a pas de stress à ce niveau-là. C'est beau là, si tu arrives à voir le mont. Hein. C'est magnifique. Hein. Ça donne vraiment envie d'avoir un drone en fait. Ça va vraiment qu'il dit ça. ASMR. Ah ouais, c'est ça, donc 5000. Can you speak Korean? Chubu. You have to wait to go Korean temple. Ah. You want to drive your car, follow blue line and waiting. En fait, c'est ça, donc il faut qu'on suive la blue line. Voilà, c'est pour ça, mais ça met beaucoup plus de temps. Ça met plus de temps, en fait, c'est mais pour ça. Ça hein. Sinon, il faut prendre le bus et c'est 5000 won. Il faut payer, ouais, le bus. Il y a énormément de monde. Là, c'est tous les gens. Et imaginez, là, normalement, on est censé faire encore 10 minutes de montée, là. Écoutez, on va voir combien de temps ça nous met, hein. Frédéric est revenu, pour les gens qui n'avaient pas compris dans le vlog, c'est Frédéric mais dont on parlait. Mais c'est un cafard, ça, non? Ça me dirait un petit cafard, hein. Est-ce que je fonce au Imart? Ah, mais t'as le temps, là, hein. J'ai le temps ou pas? Ah, pour moi, t'as grave le temps, hein. Là, il va pas y avoir un délire de je vais sortir tout le monde et tu... Bah, au pire, j'y vais, mais tu montes à pied. 3, 2... Attends, il est 32. Leur fais pas peur, leur fais pas peur, pas trop vite non plus. Oh non, ça avance! Ça avance la beaucoup là! Ça avance! T'as raison ou pas? Regardez comment elle court! Comment elle court! Ils vont tous être choqués, genre! Il est choqué, regardez, il monte dans sa voiture, mais il est choqué, il se dit c'est quoi ça? Inspirez tout le monde! Regardez! Tout le monde fait la même chose! Oh non, elle est trop forte! Regardez! Ils sont tous sortis de leur voiture pour aller au Imart! Meuf, tous les gens ont fait comme toi dès que t'es partie. C'est vrai? Bon, on a un petit peu avancé. Oh, j'ai cru entendre. Et petit cow-boy. Et on est les prochaines. Regardez-moi ce la monsieur. Manie, elle a un bob fleurimichon. C'est le maillot ou un papy? Allez, c'est parti pour la montée jusqu'au temple. Ça me fait trop rire. Attends, un des gardiens, il est arrivé, Sixteen s'est garé. Il est arrivé, Sixteen a baissé la truc. Il a parlé en coréen et vraiment, sa tête, il a fait... Ah, d'accord, ok, il est parti. Il s'attendait pas, je crois. En plus, on l'avait avec nos ligues de touristes, là, les gars. 1000 won l'entrée. Vraiment, on dirait la mort, là. Tu sais où le masque d'Osiris, là. Bon, bah, c'est parti. On va essayer de monter pour aller voir le temple. Et normalement, on en a pour 15-20 minutes de marche. Normalement. Bah, après, attends, là, ça va être la honte, hein, parce que la vidéo que j'ai vue, c'était une mère de famille avec son gosse, avec sa mamie derrière, et ils l'ont fait en 15-20 minutes. Hein. La mamie, elle était en poussette ou pas? Soyez prêts, il y a Spider-Man sur le chemin. Je suis très émue de rencontrer enfant. Peter Parker. Et après, il y a Avengers. C'est un temple, mais c'est l'un des plus prestigieux de Corée. Si c'est le seul pays où vous verrez des gens monter une montagne en crocs. C'est incroyable. Ça galère ? Pourquoi je dois marcher sur la pointe des pieds ? Wow. Et je fais comme les Coréens. Oh. Très tcha-tcha. Alors que nous c'est oh là là. Regardez comme c'est trop mignon, même là-dessus ils le font.
suis choquée vraiment de la beauté du bail. Je suis trop contente. Ça va rendre en vidéo parce que je vous jure c'est magnifique. J'ai jamais vu un truc aussi beau de ma vie. Hein. Ah ouais. Là c'est en train de dépasser à la limite le lac de Côme. Hein. Ouais, le lac de Côme c'était un de mes top 1. C'était un de mes top 1. J'ai plusieurs top 1, ça me fait de la peine. Wow. Incroyable. On était en train de descendre les escaliers. Et on a entendu des petites voix françaises. Donc on a fait, hé, hey, mais des Français ici. Et on a discuté avec eux, c'était trop drôle parce qu'on était vraiment en mode, mais déjà on croise aucun touriste, et aussi ils n'ont jamais croisé de touristes. Et en plus on croise des Français. Ouais, ils font un road trip aussi dans la région, donc on est trop contentes. T'étais là, Bouddha, on t'a cherché longtemps. Là, oh super, d'argent gratuit. Mais il y a une proie de ouf à attraper là ou quoi là? Pourquoi il tourne autour? Je pense. Il y a une mamie qui est tombée. Papy, il y a mamie qui est encore tombée. Elle va se faire bouffer par les corbeaux. J'aimerais avoir un gros objectif un jour juste pour pouvoir filmer les oiseaux de près. Oh, tu vas finir comme les Coréens avec leurs objectifs de 18 mètres de long. Là. Oui. Parce que pour eux, là, parce que c'était trop bien, tout à l'heure on voyait, on n'a pas filmé, mais les gens qui étaient en train de prier. Et c'est vrai que je vois en quoi ça peut être hyper, c'est hyper important pour eux, son endroit, parce que c'est, tu te sens en paix, mais moi j'ai eu envie de prier. Ah d'accord, en fait, faut que ça tienne. En meuf, j'ai envie de le faire. Waouh. Vous imaginez là, tout ça, c'est de la montagne quasi vierge. Ça me frustre parce que je me dis, si vous n'avez pas de voiture, c'est impossible. Genre. Ouais, c'est trop dommage. En fait, si vous voulez, vous pouvez. C'est juste que vous allez galérer. Mais si vous êtes très galéré, mais vous pouvez. Mais c'est galère. C'est trop mignon. En fait, ils donnent des bananes. Genre là, il y a la dame qui est venue. Ça sent la banane, hein. Et regardez, tous les Coréens, ils sont en train de manger des bananes. Ils ont mis des stylos pour pouvoir écrire. Bon, le stylo est complètement mort. Il y a quasiment pas de place. En fait, c'est bon. Very French trip en plus gros. Bon, je pense qu'on a fini cette petite visite. On va remonter tous les escaliers qu'on vient de descendre. Donc ça va être quelque chose. Et je pense qu'on va y go tranquillou là. C'est fatigant. Bah c'est parti pour la seconde destination qui est une forteresse. Par contre, il nous dit qu'on est là-bas en 40 minutes. Et le problème, c'est que le GPS a l'air un peu paumé une fois qu'on arrive vers là-bas. Donc, on va voir si on y go ou pas, si c'est galère ou non. Il y a rien qui va, on écoute du Jean-Jacques Dalmalin dans l'Exixin. On continue à une main en bouffant des chips. Bon, bah officiellement, on est censé arriver dans 5 minutes. Et voilà. On sait pas trop où est-ce qu'on va aller parce que vraiment le GPS s'arrête quoi. Ça doit être des ruines de forteresses qu'on est censé aller voir. C'est des forteresses assez impressionnantes. On sait pas exactement depuis quand en fait elles sont là. Merde, c'était là. C'est bon. Oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Attends. Là tu passes les petites rues là. Après ça nous emmène où cette merde? C'est ça en fait, ça nous monte vraiment jusqu'au truc là ou quoi? Je tente. Moi c'est plus d'ailleurs parce qu'il y a un endroit pour reculer quoi. Bon bah on va abandonner cette route là parce que franchement c'est un peu trop ghetto. Hein. On essaiera de se renseigner mieux la prochaine fois. Mais là on va voir les moutons. Donc c'est pas très très loin, on arrive d'ici 20-25 minutes. Et Sixna a écrasé des trucs qui étaient en train de sécher. Ah putain oui, j'ai cru que t'allais parler de l'oiseau, j'allais faire non, je l'ai pas tué. Hein. Non, elle est pas écrasée. Parce que j'ai eu le doute à un moment. Ah, non. J'ai hâte. Moi aussi. J'ai trop hâte, j'ai envie de voir des animaux. J'espère qu'ils sont bien les animaux là-bas quand ils sont heureux. Ah y a du monde hein. Regardez là-bas, il y a les brebis là. Il y a les... Oh là là, on dirait qu'on est dans... Inès m'a sorti une masterclass, elle m'a dit que la différence entre un mouton et une brebis, c'était les cornes. Ce que j'ai confondu avec les chèvres. Elle pensait que c'était... Oh non, ils sont trop mignons, j'ai trop hâte. Et je crois que c'est là-bas, là, le délire de pays. Ah, c'est peut-être ici. Annyeonghaseyo. C'est sûr, on dirait des spots, là. Ah, Chogum. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je comprends rien, mais notre jardin, ça me fait peur. Oh. Okay. On en parle, ce qui vient de se passer.
baby shark. C'est trop cool. En fait, ça, faut le donner à tous les animaux qu'on croise. Les carottes, c'est que pour les poneys. J'ai hâte de voir les poneys. Putain, ça me manque de voir des chevaux. Vous... Oh, mais il vient. Ils savent. Ah oui, ils ont l'habitude. Ils savent. Tu peux? Oh, mon chouchou. Non, il me l'a arraché. Hé, rends. Rends, il me l'a arraché. Oh non. Oh non. Baby. Toi, t'es pas cachère. Toi, t'es pas cachère. Oh, dada. Oh non, Thibaut. Oh là là. Thibaut. Tiens, je te donne. Tiens. Tiens, petit bébé. Oh, c'est moche. Oui, c'est beau, ça. Avec ses petites pattes, c'est trop mignon. Oh non, troisième. Mais qu'elle est belle, qu'elle est élégante. Tiens. Qu'est-ce qu'elle est élégante. À 18h30, on revient. D'accord. On revient, on ouvre la porte et on sort tout le monde. J'ai fait pas... Écoute-moi, Janine. Pas Janine, pardon. À 18h, on a dit. À 18h, on revient. J'ai fait passer le mot au cochon. Bon, les lapins, ils écoutent pas trop. Mais Skina, elle est bloquée, là. T'es bloquée, Pépette, bouge pas. C'est un mec. Petit pépère. J'espère qu'il te laisse quand même sortir un petit peu. Regarde, on est en train, de péter toute la truc, là. Regarde, c'est de la bonne herbe. Oh, c'est beau. Ça, tu manges. Garde. Non, tiens. T'as ton truc, toi. Voilà. Toi, t'as déjà eu, je t'ai reconnu. Hein. Je t'ai reconnu, toi. Lui, il a une queue derrière lui. Vraie question, ça a une queue, les moutons? Après, vos yeux m'effraient un petit peu aussi. Oui, respire. Oh. On peut dormir sur toi, Daniel. Doucement, on mange doucement. Tu peux nous expliquer pourquoi t'as une queue? Adrien, montre-nous ta queue. Ah bah elle aussi, ma Martha. Bah. Toi aussi t'en as. Tiens. Oh, putain, il mais m'a fait toi peur. Tu montes, Eh, c'est la queue, ça fait un gouvernail. Bon. Tu es beau comme un cœur. Ah oui, c'est les robignoles. Waouh. Ouais, lui, ouais, il y a de l'argent. On ne rentre pas dedans, Jacqueline. On est rentré dans l'enclos. C'est pas grave. Pour leur donner des petites... Faut les nourrir. Regardez, Sixtine, elle s'est fait caca dessus. Putain, ils m'ont fait des bisous. Non, c'est bon, Sixtine est dans son élément. Elle est avec les petites brebis. Oh bordel. Je pourrais passer ma journée à nourrir les brebis. Ça, c'est une fosse, Sixtine. Hein? C'est une fosse. Ah, merde. Tu vois bien qu'elle est dure. Attends, regarde, je vais chercher une brebis galeuse. Oh, attendez. Brebis galeuse. Bonjour. Voilà, elle va te donner à manger. Moi, je vais aller donner là-bas. Là, les pauvres, ils n'ont rien eu du tout. Lui, il s'appelle Henri. Oui, Henri. Henri, tu respires fort. Tiens, Henri. Calme-toi, Henri. Tout va bien. Je suis en train de me faire un peu poursuivre, je crois. C'est Henri? Putain, c'est Henri. Attends, Henri. Deux secondes. Henri, j'ai pas ton temps. Attends, tiens. Henri. Oh. Henri, il est vénère un peu. Ouais, non, mais Henri, il va falloir t'éduquer, d'accord? Mais c'est pas Henri. Mais c'est pas Henri. T'es nul, c'est pas Henri. Mais Henri, il est là-bas. Tu connais pas ton propre fils. C'est Charlot. Attends, Charlot, calme-toi. Voilà, mange et on va voilà. Charlot, il va me marcher sur les panards. Charlot, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est quoi là? On est où? On est chez les Manouches. On est chez les Manouches. C'est pas possible. Putain, il y a les poneys. Je veux les toucher, je veux les sentir, je veux les flairer. Je veux leur faire des bisous. Dernière parole d'un pédophile avant de faire son acte. Pardon. Ça, c'est un truc universel. Les poneys, ils répondent tous à ça. Les Shetland, c'est tout le temps ça. Ils te font genre, ils arrivent et puis ils s'arrêtent pour taper une broute. Allez, viens. Allez, mon pépère. Oui. Allez, on va voir Tata Sixtine. Tiens. Tiens, mon pépère, que tu es beau. Toi, l'araignée. Bon, que t'es jolie. Oh, il a une belle tête. Trop mignon. Fais-lui un bisou. Tu es beau. Mmh. Ils sont croisés des poneys, grattés, des comme ça. Oh, ça fait du bien. Oh. Bon, après, ça, c'est le risque du métier, hein. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi il y a une espèce de Playmobil en forme de bouche d'incendie et un Avengers, genre. Je la poney. Franchement, je sais pas trop ce que ça m'inspire. C'est quoi, ça? La Bob l'éponge. Il y a un truc pour se laver à l'entrée. Quand je l'ai gratté, il était vraiment en mode au début. Oh. C'est un insecte, ça? Mais... Tout comme il est beau. Ouais.
Ok, I can take this one. Qu'est-ce que c'est? C'est la caméra. Toi, t'as un nez, mais craquant. Ah, t'es craquant. C'est ça. T'as soif, pépette. Actually, they are bended dogs. Some people are bended. Oh, no. Yeah, they have here, so take care of them. Bonjour, la caméra. It's snake for a dog. Oh, comme ça, Mida. Ça, t'en veux une? Ouais. Oh, là, tu te lèves, là. Ah oui, là. C'est ça que tu veux? Je vois la guerre. Attends, je peux te laisser ça. Je... Ils sont trop gentils. Il nous a donné des gâteaux. C'est un bébé. On allait partir et en fait, il nous a proposé d'aller prendre le train. Comme à l'ancienne, les gars. C'est trop drôle. C'est drôle. En fait, c'est des bidons. En fait, on a décidé d'aller à la prochaine destination au petit train. On est dans un train. On fait l'accélération. Une tonne d'une accélération. Bon alors, il y a une des destinations où on s'était assez mal renseigné parce qu'en fait on pensait que nous on voulait juste aller voir une main qui était hyper stylée, qui donnait la vue sur la mer. Mais le souci c'est qu'en fait c'est dans un musée en extérieur et le truc ferme à 18h. Il est 17h30, on n'y sera jamais à temps. Donc on a décidé d'aller directement vers le Airbnb qui est à Urgé. J'ai fait un move là. On est resté presque 3 heures hein, là. Ça s'est peut-être pas ressenti dans le vlog, mais on est resté presque 3 heures. C'était génial. C'était trop bien. Si vous avez l'occasion un jour pareil, hein, comme toutes les destinations là, vous avez une voiture, passez. Parce que franchement c'était hyper cool. Ils avaient une super note, etc. Tout le monde disait qu'ils avaient passé un moment incroyable, que les gens, le staff était adorable. Ils sont trop gentils. Effectivement, genre vraiment, pour le point rien, ils nous proposaient des trucs en plus et tout. Ils nous ont fait plein de cadeaux. Ouais, on va manger leur gâteau là. Je peux vous aider, madame? Vous me déposez à Séoul, s'il vous plaît? Allez, let's go! Bon, après 1h30 de chemin, on est arrivé à Yeouzou. On est en plein milieu de la ville, ça y est, très bizarre. C'est drôle d'avoir un logement, tiens. Bah ouais, là on n'est pas stressé. Il est 19h37 et on est tranquille. Donc ça, au moins, c'est cool. 18h37. Ah, 18h37, pardon, tu sais lire. Génial, top. Le quartier est très coloré. C'est mignon. Et on va aller se poser à l'appart vite fait. Et on va certainement vite fait se balader dans le quartier après pour... Oh, je suis choquée. Putain, il y a eu un accident. Ah, mais il se l'est pris fort, hein. Mais le mec, il arrivait trop vite et au lieu de ralentir... Il a pas ralenti, en fait. Il a... Putain, j'aurais filmé les bonnes sœurs à ce moment-là, ça serait... Oh bordel! C'est lequel qui était en tort? C'est le noir? La blanche qui est en tort. Ouais, ouais. Parce que la blanche, elle doit faire enfin, ses... Doit, en fait, on contrôle. A pris la même rue juste avant et en fait, t'as aucun... Où tu vois pas, en fait. T'es obligé d'avancer, donc il a avancé et c'est... Oh, oh bordel! 2, 3, soleil. J'ai gagné. D'accord. Ok, bon bah on est arrivé en tout cas à deux pas de l'accident qui est juste là. Mais en tout cas, c'est super mignon. Hein. C'est pas là. C'est pas là. Je pense que le truc qui nous choque le plus, l'accident, c'est qu'on a passé, cette rue il y a 2 secondes. Oui, ouais, et tu te dis, en plus, on se disait, genre vraiment juste avant, on n'a pas filmé, ouais, mais en mode, mais il y a vraiment des accidents ici et tout. Genre, ça peut arriver des accidents, faut faire gaffe. Hein. C'est gray. Les priorités, taper le code, elle est en train de chercher une musique. Et celle-là. Oh, mais celle-là, bien. Oh, j'aime trop l'odeur. Oh, c'est pas ici, ok. Ouais, bah c'est mignon. On a une fenêtre. Oh, mais c'est touchou, dis donc. On se pose 2 secondes et on va sortir et chercher à bouffer. Le wifi galère de ouf, donc on a envoyé un message à la proprio. La proprio nous dit, il est en rénovation, désolé, vous avez pas de wifi. Et genre en mode, donc elle nous a dit, allez au salon du 2e étage. C'est une blague? C'est le pub. C'est chiant.
On est maudites. On est maudites des wifi. On avait un plan de base, sauf que on se rend compte que ça va être hyper dur de le tenir, donc il faut qu'on fasse des choix très rapidement maintenant. Et surtout, en fait, le problème, c'est qu'il fait peut-être très moche demain, et flemme d'aller dans un endroit où il pleut, genre. Donc faut qu'on voit là. On est sorti rapidement pour aller manger. Donc Sixteen a trouvé un restaurant qui avait l'air plutôt pas mal. On va voir s'ils servent encore, parce qu'il y a marqué que ça ferme à 21h et les 20h et quelques. C'est trop bien parce que c'est pas cher du tout. Franchement. C'est pas cher les gars. Et ça a l'air trop bon. On va voir, hein, ça sera dégueulasse. Oh, quelle frite. Bon, clairement, ça t'en est pas à avoir autant. Regardez ça. On a payé, j'ai payé ça, donc ça, un plat entier avec un size à côté, 8€. Hein. Ouais, et moi, c'est le même prix. Wow. C'est ouf. C'est bon? C'est sucré, mais c'est bon. Ils mettent du sucre sur leur plate. C'est bon. Conclusion, Inès n'a pas pu terminer son plat. Moi, j'ai rien compris à pourquoi j'avais du sel sur des côtés, du wasabi. Je comprends pas. Du wasabi, bon. J'ai dit. Eh, vas-y, les trottes. On y va, on y va. C'était très très bon. On finit le vlog là-dessus. À demain. Et abonnez-vous. Allez, allez, KitKat. Oh, c'est joli. Pouh.